Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo à proprement parler, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu. Parce que si vous ne le saviez pas, eh bien vous allez le savoir. Je lis ce que j'ai sous les yeux et ce que vous avez sous les yeux. En date du 17 décembre à 9h34, je publiais ce message. Quelle belle journée ce jeudi 17 décembre 2020. Visite chez mon spécialiste qui m'annonce qu'on vient de faire la peau au cancer de ma corde vocale. Prochaine étape, logopède, orthophoniste pour essayer de parler. Car là, je n'ai presque plus de voix. Mais chaque chose en son temps. Certaines personnes étaient au courant, très peu, mais voilà, beaucoup ne l'étaient pas. Ce n'est jamais évident de parler de ce genre de soucis de santé quand on est en plein dedans, donc quand on est en pleine tempête. Mais une fois que, que les jours heureux reviennent, que la tempête est passée, c'est plus facile d'en parler. Et donc voilà pourquoi je dis, je vous annonce, je vous explique par quoi je suis passé. Donc il m'a été diagnostiqué un cancer de la corde vocale gauche. J'ai été opéré. L'opération s'est déroulée avec succès. Maintenant, la contrepartie, c'est que je n'ai quasi plus du tout de corde vocale du côté gauche. Il ne me reste que les articulations de la corde vocale. Sinon, j'ai été amputé carrément de la corde vocale gauche. Et donc, c'est pourquoi cette voix. Maintenant, je peux vous dire que ça va beaucoup mieux. La preuve, je vais pouvoir de nouveau réaliser des vidéos, donc ce qui me tient quand même à cœur. Voilà. Donc si ma voix tout simplement n'est pas parfaite, veuillez m'en excuser. Ok, allez, on y va. Je suis l'heureux possesseur d'une souris Logitech. Pourquoi l'heureux possesseur? Parce que Logitech, dans le monde du clavier et de la souris, mais plus particulièrement de la souris, on peut dire que c'est quand même le sommet. Il se démerde pas mal. À la maison, au niveau souris, je parle pas clavier, souris, je n'utilise quasi que du Logitech. Alors c'est génial, surtout, regardez, cette souris a la particularité de posséder de multiples boutons. Ce n'est pas une souris, on va dire, traditionnelle, standard, qui ne possède que 2-3 boutons. Non, elle possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boutons cliquables. Alors, je vais me dire, tu as mal coté, tu as oublié un huitième bouton, c'est le clic central de la molette. Non, ici, le clic central de la molette est un clic mécanique qui permet de rendre le roulement de la molette libre. Donc là, je l'utilise avec des crans. Si je clique, la molette, elle roule librement. Ok, voilà. Mais bon, j'ai quand même 7 boutons. Ok, je vais essayer de vous montrer. J'ai quand même 2 boutons sur le côté qui s'utilisent au pouce. J'appelle ces boutons-là pouce bas et pouce haut. Alors nous avons les 2 boutons principaux, les 2 clics principaux, clic gauche, clic droit. Nous avons un petit bouton cliquable carré. Nous avons donc la molette qui est cliquable aussi bien à gauche qu'à droite. Voilà. Alors c'est génial d'avoir une souris avec de multiples boutons ainsi. Si on était sous Windows, il suffirait d'installer le logiciel maison Logitech et en quelques clics on pourrait attribuer des fonctions à chacun des boutons. Ici on n'est pas sous Windows, on est sous Linux. Mais vous allez voir que on va pouvoir sous Linux attribuer une fonction à chacun des boutons de sa souris. Et oui, je parle de Logitech mais peu importe. Beaucoup
Logitech, mais même si vous possédez une autre souris, donc d'une autre marque, hein, essayez, ça fonctionnera peut-être. Ok? Donc, ce que je vais faire, ah oui, je ne vais pas pouvoir, je vais pouvoir, donc je vais vous montrer une partie sous machine virtuelle. Quelle partie? La partie de l'installation de logiciel, mais la partie configuration, ce sera sur mon système hôte. Ok? Oui, je ne vais pas pouvoir paramétrer ma souris sous la machine virtuelle, sinon ça va provoquer un bug. Ok? Donc, je vais copier ce lien-ci. Regardez, BTNX, la page du projet, la voici, elle se trouve sur GitHub. Donc, j'ai copié le lien, je le recopie. Voici la machine virtuelle qui est une Linux Mint 20 Cinnamon. Je démarre le navigateur par défaut qui est Firefox. Je vais me rendre sur BTNX. Coller et ouvrir. Voilà. Alors, avant, il existait des paquets DEB. Paquets DEB 3264 bits. Pour BTNX config et pour BTNX. Ils existent toujours. Mais, à partir de Ubuntu base 18.04, 0.4, hein, donc Bionic Beaver, on n'utilise plus les paquets DEB. Je vais vous montrer. Donc nous allons nous rendre sur GitHub. Nous allons télécharger l'archive zip, enregistrer le fichier. Voilà. Donc là, je me trouve sur BTNX config. Maintenant, je me rends sur la page BTNX. Même chose, je télécharge l'archive zip. Je vais démarrer démo, le gestionnaire de fichiers, téléchargement, et j'ai bien mes deux archives. Première chose, je vais donc désarchiver. Extraire ici. Je n'ai plus besoin des deux archives. Je vais ouvrir une instance terminale dans téléchargement. Regardez, nous allons descendre. Et peu importe, hein, pour les deux, donc pour BTNX et BTNX config, la méthode va être la même. Ok ? Il va falloir que j'installe des dépendances. Les dépendances, les voici. Donc, je colle, je valide par entrée ou enter, mot de passe du seigneur qui va bien. Voilà, je confirme. Attention, hein. Ici j'ai installé ces dépendances parce que je suis sur donc Ubuntu Debian. Ok? Si vous êtes sur Fedora Red Hat, ok. Donc ensuite, regardez, c'est la même chose sur les deux. Voilà, c'est la même chose sur les deux. Ok. Donc, on patiente. Voilà, alors je vais lister ce qu'il y a dans le répertoire avec la commande ls. Je vais rentrer dans le premier répertoire, donc btnx config master. Donc cd btnx config master. Je liste et on suit ce qui est marqué à gauche. Point slash configure, tout simplement. On patiente. Commande suivante, make. On va attendre que slash configure se termine. Voilà, donc un petit make.
La dernière commande, sudo make install. Donc, sudo make install. Alors, attention, ce n'est pas fini. Je sors de btnxconfig master. Je rentre dans btnx master. OK. Voilà, si je liste. Et je vais répéter la procédure que je viens de réaliser. Donc, point slash configure. Ensuite, make. Donc, make. Et ensuite, sudo make install. Voilà. Maintenant, je peux fermer mon instance terminal. Fermer donc mon navigateur internet. OK. Regardez, voilà mes deux répertoires. J'ai fermé l'instance terminale trop vite. Comment lancer? C'est simple, btnx-config. Attention, je peux le lancer comme ça, mais je vais avoir quelques petits soucis. On va élever les privilèges avec sudo. Sudo btnx-config. Mot de passe du Seigneur qui va bien. Et voilà, le logiciel. C'est cool, hein? Voilà, à partir de là, j'arrête dans la machine virtuelle. OK. Je dis au revoir. Au revoir. Et je me rends donc sur mon système hôte. Système hôte, donc c'est la même chose. Instance terminal, sudo btnx-config. Je valide par entrée Winter le mot de passe du Seigneur. Qui va bien, entrer Winter, et voilà. Alors, par défaut, eh bien, le nom de la configuration, c'est Default. Qu'est-ce que l'on va faire? Nous allons donner un nom à notre configuration. Moi, je vais donner le nom de ma souris, tout simplement. Logi. Alors, pas d'espace, pas de caractères spéciaux, s'il vous plaît. Restez simple. Donc, caractère minuscule, à la limite, tiré, chiffre, mais c'est tout. Donc, Logi, tiré, M, 560 pour ma part. Je vais redémarrer BTNX. Et regardez bien ici ce qui va se passer. Hop là. Voilà. Le nom de ma configuration a été attribué. Ensuite, il va falloir réaliser une détection de la souris et des boutons. Eh bien, c'est ce que l'on va faire. Je clique. Lancer la détection de la souris. Je clique. Ne bougez pas votre souris et n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes. Voilà. OK. Maintenant, bougez votre souris et appuyez sur chaque bouton. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je bouge la souris. Donc, hop, 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 et hop. Suivant. Lancez la détection des boutons. Hop là. Appuyez sur un seul bouton de votre souris jusqu'à ce que la barre de progression soit pleine. Donc, clic gauche, allez. Hein. Clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Yeah! Donnez un nom. Je vais donner un nom. Attendez, j'ai mon petit pense-bête qui doit être là. Voilà. Le nom, je vais l'appeler principal. Ben, gauche, hein. Gauche, j'ajoute le bouton. Hop là. Alors, bouton suivant. Clic droit, lancer la détection des boutons. Clic droit, clic droit, clic droit, clic droit, clic droit. Le nom, eh bien, ça va être principal. Droit. J'ajoute. Lancer la détection des boutons. Et là, je vais faire le pouce ici, le pouce haut.
Donc celui-là. Yeah, ça fonctionne. Donc regardez, c'est celui-là. Je vais vous le montrer à la caméra. Celui-là. Voilà. Et le nom, ben, pouce haut, tout simplement. Pouce haut. Ajouter. Lancer la détection. Je vais faire le même avec le pouce bas. Donc, celui-là. Oh zut, j'ai fait quoi? J'ai fait le combat, ouais. Hop, je dois rester ici. Voilà. Voilà. Donc, pouce bas. Ouais, c'est bon. Ajouter. Lancer la détection. Molette gauche. Donc, molette gauche. Ok. Donc, la molette ici, mais par là. Ok. Donc, ma gauche, votre droite. Enfin, vous comprenez. Ok. Donc, j'essaye. Hop. Oh là. Oh là là. Voilà. Elle me pose souci. J'annule. Je recommence. J'annule. Yeah! Je vais vous montrer comment régler ce petit souci. Donc, nous allons l'appeler molette gauche. J'ajoute. Je relance la détection et je fais le même avec la molette droite. Droit. Ouais. Donc, molette droit. J'ajoute. Il me reste quoi? Ah, le petit carré. Lui. Vous voyez, le petit carré. Donc, je lance la détection. Voilà. Et je vais l'appeler tout simplement petit carré. J'ajoute, je valide, et bouton, voilà, j'ai regardé tous mes boutons qui sont répertoriés. Alors c'est bien beau, mais il va falloir que pour chaque bouton, eh bien, je paramètre, j'ajoute une fonction. Ok ? Pour le principal gauche, je peux laisser comme ça. Pour le principal droit, je peux laisser comme ça. Mais pour le pouce haut, pouce bas, molette gauche, molette droit et petit carré, il va falloir paramétrer. Donc, je vais faire le pouce haut. J'active. Alors, combinaison touche, c'est bon. Et ici, donc code de la touche, je dois essayer de trouver key page-up. Ouais. Donc, on cherche key page-up. Le voilà, key page-up. Ok. Ensuite, le pouce bas. Eh bien, c'est exactement la même chose. Donc, j'active. Et ici, code de la touche, ce sera donc key page down. Page down. Ok. Alors. Molette gauche. Donc, molette gauche. Ah, vous vous souvenez que la molette gauche, il y avait quelques petits soucis au moment de la détection. Et bien, ce souci, on va le retrouver également lors de l'utilisation. Mais on va le régler en attribuant un délai de répétition. Ça veut dire que
la fonction que l'on va octroyer ne se répétera qu'après un certain délai. Okay? Et c'est comme ça que l'on va résoudre le souci de sensibilité. Voilà. Donc, on active. Regardez, délai de répétition. Nous allons mettre 1000 millisecondes. Alors, code de la touche. Key left. Key left. Attention, touche modificatrice. Key left alt. Donc, key left alt. Molette droit. J'active. Délai de répétition. 1000 millisecondes. Code de la touche key right. J'avais été trop loin. Key right. Donc ici la touche modificatrice, donc une, hein, sera key right alt. Alors le petit carré, même chose, on active, attention, pas de délai de répétition, pas de touche modificatrice 1, mais bien donc un code de la touche qui sera key refresh. Alors attention, tous les paramètres là, toutes les fonctions que j'octroie mais aux touches, c'est ma configuration personnelle, ok? Maintenant, vous personnalisez ça, donc les touches, vos touches, avec les fonctions que vous voulez. Donc, il faut que je trouve ici key refresh. Et comme ça, je vais vous montrer ensuite ce que cela va donner. Concrètement. Voilà. Key refresh. Alors, une fois que c'est fait, donc on recontrôle tout. Attention, on peut déplier, regardez, ok. On peut déplier chaque dénomination de touche pour voir la configuration, ok. Revoco, ça vous servira à rien. Donc, c'est Revoco, c'est une fonction, c'est un réglage qui ne fonctionne que pour les souris MX Révolution. Ok, ici avancer, donc activer le branchement chaud, ok, configuration, ce que je fais, donc je redémarre BTNX, je vais voir si la configuration de mes boutons est bien prise en compte, ça a l'air, ok, je sauvegarde ma configuration, clic. Je vais mettre ça, eh bien, pas dans route, hein, dans route. Je vais mettre ça dans home, any, bureau. Voilà, je sauvegarde, je ferme. Et là, regardez bien. Donc oui, je peux descendre avec la molette. Hein. Donc descendre et monter. Mais regardez, si j'utilise les deux boutons accessibles au pouce, là, donc pouce bas et pouce haut. Yeah! Si j'utilise le petit carré, là, eh bien, ça va rafraîchir la page. Pas mal, hein? Maintenant, si j'utilise le clic gauche et clic droit de la molette. Donc, suivant, précédent. Suivant, précédent. Refresh. Je descends. Je remonte. Pas mal, hein. Regardez, ça va beaucoup plus vite, hein. Maintenant, ici, sur cette souris, c'est un peu bête d'avoir attribué, donc,
d'avoir attribué cette fonction donc aux touches aux deux touches pouce. Hein. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, regardez, j'ai une molette qui peut tourner en roue libre. Je clique. Vous avez vu? Voilà. La molette n'a plus de cran. Regardez. Si je reclique là, il y a des crans à la molette. Voilà. J'espère que ce tutoriel, hein, vous aura plu. Et moi, je vous dis bye bye et une prochaine. Je réfléchis. Je pense que je n'ai rien oublié. Non. Ce qu'on peut peut-être faire, regardez, c'est rappeler donc btnxconfig. Mot de passe du Seigneur qui va bien. Là, pour la même souris, ok, on peut ajouter des configurations différentes. Ok, là, admettons, j'utilise ma souris, on va dire normalement, mais je peux attribuer des autres fonctions à chacune des touches lorsque, par exemple, j'utilise ma souris en game, donc en partie de jeu. Et bien là, je vais ajouter une configuration différente. Donc, je vais cliquer sur Nouveau. Hein? Attendez, je vais faire oui, voilà, new config. Donc je vais mettre, je sais pas moi, logis tiret M560 tiret game clock. Voilà, et c'est parti. Ok, je reconfigure tout, mais avec des fonctions différentes pour chaque touche, puisque cette configuration-là va être utilisée en partie de jeu. Voilà. Sur ce, moi je vous dis bye bye, une prochaine, c'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao ciao!